Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Rainbow Six Siege. Pour plusieurs raisons. La première étant que je voulais vous faire à la base une vidéo sur Journey, mais je me suis rendu compte que ce jeu n'était absolument pas bien. Et donc j'ai choisi de vous faire une vidéo sur Rainbow Six Siege. Alors même si j'ai déjà fait une partie avant, ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Je vais essayer de vous montrer que je ne suis pas si mauvais sur tous les jeux, même si à mon avis ça part mal puisque nous sommes à la. Je viens de rejoindre le match hein, et nous sommes à la manche 2 et nous avons perdu la première manche. Ce qui ne veut rien dire en soi. Alors j'ai pris Castle qui est une personne qui fortifie les murs pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu. Et je vais commencer à la mitraillette. Je suis plus à l'aise aux pompes d'habitude, mais comme ça fait un petit moment que j'ai pas joué, je préfère reprendre à la mitraillette au départ. Pour éviter de faire n'importe quoi et de passer pour aussi nul que je suis d'habitude. On va essayer de faire un peu mieux, hein. Alors Rainbow Six est un jeu auquel il faut jouer au casque. Il faut le savoir. Sinon l'expérience de jeu est mauvaise. Voilà. Cette vidéo, pour vous dire ce qui n'a aucun intérêt, mais cette vidéo est tournée le jour de la publication de la première vidéo sur Badland, que j'ai publiée ce matin d'ailleurs. Et je vais essayer de fortifier quelques petits trucs avant tout, parce que sinon les ennemis rentreront ici comme dans un moulin, comme disent les jeunes de cité. Oui, on peut fortifier les fenêtres, ce qui ne sert absolument à rien, parce que je ne pense pas que les ennemis rentreront par ici, mais... On ne sait jamais, hein. Oui, alors là par contre les drones me font chier. Voilà, alors la vidéo sera certainement moins drôle que d'habitude, puisque je vais essayer de la jouer un peu plus stratégique, un peu plus sérieux. Même si, vous le savez, c'est pas gagné du tout, hein. Ah par contre là je vais faire une grosse bêtise, c'est-à-dire que je vais ouvrir une barricade qui donne à l'extérieur, donc les ennemis peuvent passer par là. Voilà pourquoi c'était une grosse bêtise. Et du coup, ah merde, y a un Twitch, d'accord. Alors les Twitch, j'ai des petits drones électriques. Des petits drones électriques, pardon, qui essayent de m'attaquer. Et actuellement, celui-ci essaye de me tuer. Alors, c'est vachement difficile de mourir avec un Twitch, hein. Ce qui veut dire que quand tu te fais tuer par un Twitch, tu es dégoûté et tu as envie de pleurer toutes les larmes de ton corps. Alors, je vais essayer de passer. Oui, alors je rush, quelque chose que je n'ai pas dit encore. Je rush beaucoup dans ces parties puisque je n'aime pas rester à l'objectif, c'est le meilleur moyen de mourir. Par contre, ce qu'on fait là, c'est absolument pas intelligent, les gars, hein. Rester près des fenêtres comme ça, si un ennemi rentre, il nous tue, hein. Voire même s'il fuse, il nous tue. Ah, j'ai pas pensé à regarder ce que c'était. Est-ce que c'est la sécurisation de zone ou pas? Sécurisation de zone. Oh putain, ça tire déjà. Je ne sais pas d'où, mais ça tire. Bon, attendez. Ouais, c'est une petite grenade. Là, en cas où. Hein. Ah, d'accord, ça tirait par là. Donc en fait, j'étais juste au plus mauvais endroit du monde. Mais non, voilà le one shot. Le one shot. Par un IQ. Voilà, je commence bien cette partie donc. Alors j'ai pas pensé à chronométrer la vidéo, donc à mon avis il y a déjà 5-6 minutes de lancer. C'est dommage. Peut-être pas 5-6 minutes, puisque j'ai commencé la vidéo au début de la partie. Une partie dure en moyenne 5 minutes, si je fais ça, ouais, donc ça doit faire 3-4 minutes quoi. Et c'est là qu'on va regarder les yeux, ça fera 2 minutes, j'aurai l'air d'un con. Mais vous avez l'habitude. Pourquoi je prends cette voix sérieuse? Wow, 1 contre 5. Allez, moi j'appelle ça un gangbang. Hein. Oh, le médic peut soigner lui-même maintenant. Je ne savais pas. Je suis mise à jour, voilà la mise à jour. Je ne suis pas au courant des dernières mises à jour, donc je ne pouvais pas le savoir. Ouh là 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 là, ah oui, lui il a pris cher. Hein. De partout. Hein. Quand je vous disais que c'était un gangbang, je pensais pas que ça allait être comme ça, mais si, ça a vraiment été un gangbang. Voilà, donc là on est en assaut et j'ai beaucoup plus de classe qu'auparavant, hein, puisque j'ai privilégié l'assaut à la défense, qui est totalement inutile. Qu'est-ce que je vais prendre explosif, voilà, la mitraillette comme toujours. Alors pourquoi je prends Blackbird? Eh bien parce que... Puisque je l'aime beaucoup, et voilà, il y a un capitaine... Enfin, les personnages sont divisés en plusieurs unités. En l'occurrence, on a le FBI, on a une milice africaine, il me semble que c'est. Je ne sais plus le nom, j'ai oublié d'aller regarder. Et pour ma part, je suis une unité d'élite américaine, je ne sais plus. Les Navy Seals, il me semble que je suis les Navy Seals. Et donc, voilà, il y a plusieurs unités d'élite. Et les Navy Seals étaient les avant-derniers mises à jour. Ça ne veut rien dire, mais en gros, il y a souvent des mises à jour où on a deux nouveaux personnages à acheter. Et ça coûte cher, les nouveaux personnages sont ultra chers. Alors pour ma part j'ai préféré prendre les Navy Seals puisque je trouvais le Blackbird vachement intéressant.
Il faut savoir que ceux qui ont le season pass de ce jeu ont les personnages une ou deux semaines avant, je ne sais plus exactement. Et évidemment, ils doivent les acheter quand même. Donc moi, le season pass, il me servira à rien avec la thune que j'ai. Je suis autant fauché dans le jeu que dans la vraie vie, hein, on va pas se mentir. Mais je voulais faire, enfin, je voulais faire une petite référence, mais je n'ai pas une référence de pauvre. Du coup, du moins, elle ne vient pas en tête à l'esprit tout de suite là. Justement, j'ai l'inverse en fait. J'ai Scrooge par exemple, qui est un gros radin un peu riche. J'ai Picsou aussi. J'avais Jim Carrey dans Menteur Menteur. Ouh, bah alors là, il y a un H qui vient d'exploser le mur ou la fenêtre. Je sais pas, j'ai pas vu. Je vais peut-être mettre mon bouclier tout de suite, même si ça me ralentit. Alors là, le but du coup, c'est de capturer les bombes. Alors pourquoi est-ce qu'il y avait une petite phase en voiture avant? C'est les drones, hein. C'est pour localiser les objectifs et probablement les ennemis. Et je suis hyper mal placé ici parce que si j'essaie de descendre, je suis sûr que je vais me faire flinguer. Je vais attendre. Ça ne me coûte rien, hein. Wow. Le truc, c'est que quand j'entends un bruit, je ne sais jamais si c'est un allié ou un ennemi. Oh, mais ça tire déjà. Calmez-vous, les gars. Ah, nous sommes de nouveau à égalité, ça tombe bien. Wow. Oh putain, je crois qu'il est blessé, ça tombe bien. Mais qui c'est qui m'a. What? Est-ce qu'il y avait un ennemi? Voir la caméra éliminée. Oui, donc c'est ça, c'était un ennemi. Où était-il? Ah, il était juste derrière, d'accord. Parce qu'en fait, moi, il y avait mon allié derrière qui aurait pu me soigner. Mais je me suis pris une petite balle dans le pied, du coup, je suis mort. Et le pire, c'est que le Frost est réanimé, hein. L'ennemi est réanimé. Génial, donc ça me fait zéro animation et deux morts. Eh bien, ces vidéos ne s'appellent pas l'épopée d'un loup pour rien, hein. Ce que je vois. Bon, grosse ambiance. Ok, donc lui il est pas encore rentré, lui non plus, et lui non plus, d'accord. Donc les mecs ne sont même pas encore rentrés dans le bâtiment, ils commencent déjà à tirer un peu partout. Ah, donc en fait j'étais le seul qui était rentré, c'est pour ça que je suis mort, d'accord. Non, en fait il y en a un qui était rentré avant mais qui est ressorti, à mon avis. Je vois le genre, je vois le genre. Je pense qu'on ne fera qu'une partie de ce jeu parce que les parties durent assez longtemps. Bon, sauf si là on perd, du coup la partie n'aura pas duré super longtemps, donc ça tombera bien, on pourra faire une vidéo un peu plus petite que d'habitude. Mais voilà. Je ne sais pas si on va gagner cette manche, puisque nous sommes. Ah bah non, c'est bon, ils sont à 3 contre 3 du coup. Un nouveau égalité, ça tombe bien. Non mais alors là, oh je suis désolé, je sais que je suis pas bon, mais alors là, il me déçoit. Hein. Bon, lui il s'amuse avec son hache. Qui n'est pas un lance-roquette, qui est quelque chose qui permet de détruire les murs. Ouais, alors là, il faut l'exécuter, c'est exactement ça. 3, 2. Là, nous sommes en surnom, mais ça ne ça ne change rien. Il m'est déjà arrivé d'être tout seul contre 4 ennemis et de les flaguer un par un parce qu'ils étaient très 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 idiots. Je vois que ça avance un petit peu. Mon équipe se débrouille. Ah, là il y a un ennemi. Je n'ai pas pu le localiser. D'accord. Oui, donc ça c'est les petits drones qu'on a au début de la partie et qu'on peut récupérer ensuite. Oh, il y a un ennemi là. Joli ennemi. Très mal placé en plus. Hein. Oui, c'est le smoke. C'était le smoke. Voilà. C'est le personnage violet en haut à droite. C'est lui. Et donc là tu viens de. Oui, d'accord. Nous sommes apparemment dans un bâtiment allemand. Donc le Jäger et le bandit en face ont totalement leur place. Ah oui, d'accord, oui, je suis effectivement très mauvais actuellement, hein. On va pas se mentir. Mais bon, ça change pas. Ouais, par contre, il reste peut-être 34 secondes, ce serait peut-être mauvais. Il reste 30 secondes, il serait peut-être temps de se bouger, les amis. Parce qu'à la fin du temps, si nous n'avons attaqué, enfin si nous avons tué, si nous n'avons pas tué justement tout le monde, ni capturé l'objectif, nous sommes dans le caca. Dans la muise. Ça mange pas de pain de le rappeler. Non, moi. Wow. On a gagné! On a gagné, les gars. Donc ce n'était pas la manche décisive, finalement. Ok. Ouais, ça a bien tiré. Hein. Donc la prochaine manche, voilà, nous sommes en défense. Et donc là, c'est mon point faible. Mais du coup, je vais prendre Doc, puisque j'ai vu qu'on pouvait se soigner soi-même, ça m'arrange. Je vais prendre le fusil à pompe immédiatement pour voir si j'ai tant que perdu que ça. Oh, je pourrais prendre la P90 aussi. Hein. Ça peut ne pas être une mauvaise idée. Donc si on a une prochaine manche et que nous sommes encore en défense, je prendrai la P90 dans ce cas. Voilà, alors il faut savoir que c'est l'épisode 1 sur Rainbow Six, mais à mon avis je ferai encore d'autres épisodes puisque j'aime beaucoup ce jeu, je l'ai déjà dit.
J'aime vraiment beaucoup ce jeu et puisque je joue souvent et qu'il faut que je joue au casque, moi à la limite, si je joue tout seul, ça peut m'aider. Si je joue tout seul, ça peut m'aider à ne pas parler tout seul dans le vent ou à ne pas m'engueuler avec comment on appelle ça, des kikous. Ne pas m'engueuler avec des kikous puisqu'il y en a certains qui sont très très cons, qui insultent toute l'équipe et du coup ton équipe elle est découragée et t'es en mode mais non, mais arrête de faire ça. Surtout que parfois les kikous me font rire puisqu'à la fois on est tombé sur un kikou. Il est mort à chaque manche et à chaque fois il nous gueulait dessus, il nous disait oui mais vous êtes des merdes, vous êtes fait tuer, mais bah... Alors moi j'ai pris mon micro, j'ai fait vas-y ferme ta gueule, t'es mort à chaque manche. Mais du coup il est à Rage Quit. J'aurais peut-être mieux fait de me taire, mais Ok, ça saute de... La partie n'a pas commencé, ça saute déjà de partout. Alors pourquoi est-ce que les... Ah, il y a un mute je crois. Merde, j'ai tiré son allié, désolé. T'as pas fait exprès. Non mais j'irai pas dessus hein. Mais non mais arrête, tu vas me niquer la santé. Ah, le truc c'est que ouais je sais, en même temps je sais pas combien je lui ai enlevé donc c'est possible que qu'il ait besoin de se venger. Alors je ne vais pas faire la même erreur qu'avant. Là on va passer des petits barbelés ici comme ça là. Bon les mecs de toute façon s'ils veulent entrer ils entreront à mon avis hein, parce que je suis placé juste en face de la porte donc je suis très mal passé. Mais bon. Ils vont peut-être passer par autre part. De toute façon je le saurai s'ils passent dans les barbelés puisque ça leur enlèvera la santé et ça me rajoutera des points. Bon, maintenant il faut peut-être que j'essaie de la jouer un peu plus discret. Parce que je ne suis pas très très discret. Là, actuellement je suis un ninja obèse. Pourquoi un ninja dans un jeu d'élite? C'est une bonne question. Mais oui, actuellement je ne suis pas une unité d'élite. Hein. Actuellement je suis un sumo. Voilà. Ah, un ennemi a dû passer par ici ou au moins a détruit la fenêtre. Bah apparemment il s'est fait fusiller. Ah oui, bah, tant qu'on y est, on reconstruit la fenêtre. Hein. Écoutez. Ikea, tout ça. Ouais, moi je suis Carglass, hein, Carglass rempart. Carglass. Répare, Carglass remplace. Et puisque Carglass s'occupe des pare-brises et que c'était une vitre, je répare. Voilà. Non, ce n'est pas un placement de produit pour Carglass, quand même, faut pas déconner. Et surtout pourquoi Carglass ferait des placements de produits dans un jeu. Un FPS. Je ne sais pas. Je remarque que j'ai beaucoup de difficultés à parler aujourd'hui, hein. Je suis désolé, je suis désolé, voilà. Et je tourne en rond. Tourne, tourne, tourne encore. Dirait Louane. Alors pour une référence à Louane, c'est parce que j'en ai fait une déjà avant, dans la vidéo que j'avais essayé de tourner qui a bugué. Mais voilà, quand même. Bah d'ailleurs, c'était la vidéo sur Journey. Voilà. Et en fait, il n'y a pas d'ennemis ou il n'y a que moi qui les trouve pas? Il y a un truc qui bip dans mes oreilles, ça m'énerve. Je ne sais plus, il me semble que c'est les nitros, mais le problème c'est que c'est une nitro alliée, pourquoi vous me faites chier? Oh. Est-ce que j'ai buté les deux là, sérieusement? Ouais, j'ai voulu me ranimer, mais ça n'a servi à rien. Et effectivement, j'ai buté les deux. Voilà pourquoi le fusil à pompe est utile, puisque... S'il y a un... Il y a pas mal de dégâts quand on tire. Ah, ça me rappelle la partie que j'ai faite juste avant, qui n'était pas filmée, où j'ai... Où j'ai quand même réussi à tuer un bouclier alors qu'il me restait 4% de santé. C'était la première fois de ma vie. Évidemment, ça n'était pas filmé, hein, sinon ce serait trop simple. Oui, alors en fait, il faut tuer l'ennemi, hein, sinon on va se faire défoncer. Alors lui, il tire à l'arrache, mais je te jure. Ouais, donc en fait, je pense qu'on a perdu, hein, puisque s'il n'a pas le temps de désamorcer et de tuer l'ennemi en même temps. Voilà, donc on a perdu. Donc c'est la fin de partie. Du bonus sur le match 187, ça pue la merde. Bon, j'ai tué deux ennemis quand même, bon, c'était la dernière manche, mais j'ai réussi à tuer deux ennemis. Je suis moins nul que d'habitude. Et on remarque que sur 4 manches, j'ai réussi à ne mourir que 3 fois. Voilà, c'est bien. C'est-à-dire qu'il y a une fois où je suis resté en vie quand même. Alors, c'est une victoire de l'équipe orange, d'accord, avec des pseudos très intéressants tels que ST99 ou Eye of the Tiger. Bon, mais moi, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Je vous ferai peut-être un jour un deuxième épisode. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où. Je pense que j'en ferai un deuxième en tout cas. Voilà. J'espère que cette partie vous a plu, même si elle était moins drôle que d'habitude, même si l'épopée d'un noob. RSC l'épopée d'un noob d'ailleurs, hein, qui ne progresse toujours pas malheureusement. Nous verrons au prochain épisode si c'est le cas ou pas. Voilà. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao!